Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est la dernière partie du Salon du Cheval 2017. À 20h, la nuit du cheval commence. Et ce sont les tambours du bronze qui démarrent le spectacle. Nous avons eu droit à un magnifique spectacle avec Lorenzo et ses chevaux. Lorenzo dirige sa troupe au pas, au trot et au galop, défiant les lois de la gravité comme si ses jambes étaient de véritables ressorts. Entre complicité et mise en scène impressionnante, l'enfant prodige du spectacle équestre sait soulever l'enthousiasme de son public. Les tambours du bronze, groupe de percussion urbaine, ont créé une identité forte grâce à leur instrument hors du commun. Chacune de leurs puissantes musiques est chorégraphiée afin de faire de ce spectacle une expérience aussi bien visuelle que auditive. À la suite de ce spectacle équestre inédit, la piste du hall 5B se transforme pour la deuxième année consécutive en parcours de derby de haut niveau pour le Devoku Derby Cross Indoor. Bienvenue dans ce derby Devoku, le Cross Indoor édition 2017. 4, 3, 2, 1, go! Un parcours à coupe-le-souffle, près de 1000 mètres de galop, ainsi qu'une vingtaine d'obstacles naturels pour un challenge sportif qui enflamme les tribunes. Le guet, c'est bon, le passage de la banquette. Le sprint, parfait. Le passage, la pointe est bien franchie. Et pour compléter le tout, les meilleurs cavaliers internationaux de concours complet d'équitation étaient au rendez-vous. Ici à Paris ce soir. Allez. Allez.
dépassement de temps. Donc voilà, cette vidéo clôture ma journée au Salon du Cheval de Paris 2017. J'espère qu'elles vous auront toutes plu. Si vous ne les avez pas encore vues, je vous glisse tous les liens en barre d'infos. Des bisous!